journée d'intégration, elle est extrêmement importante pour nous parce que c'est l'occasion de regrouper tous les nouveaux collaborateurs qui arrivent sur le mois, de leur présenter talent, de leur montrer également leur nouveau terrain de jeu. Là, ils vont pouvoir s'épanouir au quotidien. Cette journée est organisée autour de deux thèmes. Un thème où on présente le matin l'ensemble du groupe et l'après-midi où on va s'articuler autour de jeux. Des jeux qui vont permettre de contribuer à la cohésion d'équipe, aussi aux gens qui sont dans des entités très différentes, de pouvoir discuter entre eux. Donc, ce sont des jeux fédérateurs. Aujourd'hui, on accueille 62 collaborateurs. C'est important qu'il y ait à la fois des directeurs, des RH, la Chief Happiness Officer, tout ce qui concerne aujourd'hui les consultants sur plein de domaines très variés, ce qui va représenter talent dans leur aventure et leur carrière qui commence aujourd'hui. Et que ça soit présenté sous forme de jeux très interactifs, dynamiques, vraiment sur l'intelligence collective dès le départ. Donc à travers des jeux de rôle et des débats, ils peuvent donner leur propre conception du métier de consultant. Chez Talent, on est très attentif au bien-être et à l'épanouissement professionnel de nos consultants. Et ça commence aujourd'hui. Talent est un groupe en pleine croissance. Sur 2019, on vise à recruter jusqu'à 900 collaborateurs, que ce soit sur Paris, en région ou aussi à l'international. Au sein du groupe Talent, on a vraiment toutes les origines, tous les âges et aussi tous les parcours. Hein. C'est ce qui fait cette diversité, c'est ce qui fait la richesse du groupe Talent pour justement offrir le meilleur à nos clients. J'aime beaucoup discuter, faire des travaux de groupe. Et découvrir les autres, découvrir leur personnalité également. On a bien rigolé en plus ensemble. Tout en travaillant, c'était vraiment, vraiment cool. Il y a une vraiment bonne ambiance. Il y a vraiment cette culture d'entreprise qui m'intéresse beaucoup. Le dynamisme, le côté punchy en fait, qui est représentatif de notre avenir numérique où il y a tellement de choses à faire. Ça m'a permis de connaître des collaborateurs, de discuter avec eux, de me rapprocher un peu plus d'eux. Et peut-être aussi les retrouver sur une mission ou plus tard. On est vraiment très enthousiastes parce que cette QV 2019 s'annonce très prometteuse avec nos nouveaux collaborateurs.